Et bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, c'est Frigiel, je suis accompagné en vocal de Waza, comment ça va? Salut Frigiel, j'espère que tu vas bien et toi? Mais oui, ça va super bien, ça fait pas juste 5 minutes qu'on se parle avant que le stream commence. Oh non, ça fait pas 5 minutes. Absolument pas, on est sur Albion. Oh, c'est bien ce jeu. Oui. Mais tu es en jeu toi déjà? Ouais, je t'attends. Tu as spawn dans la zone qui s'appelle Forest Landing 2, hashtag 2. Ouais. Et bah tu sais quoi? Je vais prendre mon perso Frigiel, il est dans Forest Landing, hashtag 3. Mais genre, on va pouvoir se voir? Bah si, en sortant de la zone de... Ah coup, d'accord. J'espère d'accord, sinon d'accord. Je me fais rembourser le jeu. Ah bah non, je l'ai pas payé, c'est une OPSP. Allez, on est parti. Oh, stream sponsorisé. Comment je glisse gentiment l'information importante. Pour l'instant, on entend que ta belle... Putain, mais je vous péter ressources. La gueule. Ils m'entendent pas sur ton stream? Ça, c'est pas cool. Non, mais ils t'entendent très bien. Mais ah, bon, ça va. Le son du jeu, ils s'entendent pas. Ah ouais, vous me direz aussi d'ailleurs si j'ai bien dosé ou pas. Donc j'ai mis la webcam en bas, ah bah. Bon, hein, là où il y a le chat, où tout le monde parle et se gueule dessus. C'est pas important. C'est pour ça, le reste est important ça sur marche. L'interface. Donc, je suis un papy coup, nudiste, niveau 1. Y a pas de niveau dans le jeu, donc je suis un papy nudiste. T'as papy nudiste. J'ai de niveau 1, non, mais oui, y a pas de niveau en fait. On fait quoi? Bah on quitte la zone de tuto là, je ramasse de la pierre là. Ouais, vas-y quitte la zone, je te file tout. Récolte de ressources, non mais t'as rien à me filer mon gars. C'est moi qui vais te filer des choses. Attends, il faut qu'on reçoive nos récompenses. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est en haut à droite qu'on les réclame? Comment on fait? Ouais, en haut à droite, il y a un petit truc. Réclamer les récompenses. Alors, back fondateur légendaire peut être réclamé dans le menu réclamer les récompenses. En haut à droite, il y a réclamer les récompenses. Afficher le classement, magasin premium, marché d'or. Non, mais tout en haut. En haut à droite, là? Échappe, paramètres, raccourcis. Ah. Et il y a un petit 1 entre parenthèses. Oh! Réclamé! Premium prolongé 90 jours! Oh mon gars, ouais. Je suis premium! Ouh. Attends, j'appelle ma mère! Ah, j'ai pas mon téléphone. Pack 30 jours débloqué! 30 000 bonus de focalisation, 200 points d'apprentissage. Oh mon gars, mec, on est bien là. On va vous expliquer un petit peu tout ça juste après, vous en faites pas, parce que là vous comprenez rien de ce qui se passe. Où sont mes montures? Mais. Attendez, comment? On m'a promis des montures, je ne veux pas. Putain, j'ai, mec, j'ai failli fermer l'application, j'ai fait une bêtise. On t'a promis une monture. On m'a promis une monture. Attends, déjà. Donnez-moi une monture. La question étant, on a combien d'or? On a 14 000 d'or. T'as 14 000? Bah, toi aussi, je pense. 14 400 d'orage. Ah, vas-y, il est avantagé. Il me faut un peu plus de pierre là. Il y en a là. Comment je fais pour y aller? Il ouvrir l'inventaire. Maintenant, il bug. Oh, il va pas traverser le mur, Alma. Il va pas passer le mur. Hein. Monter dans le truc. Il y a de la pierre là. Monter dans. Ah, et là maintenant qu'on qu'on récolte des ressources, on est premium. Ah. Et du coup, on récolte plus de ressources. Regarde. Ouais, non, oui, c'est plus. On récolte pas plus vite, mais on récolte plus. Une ressource en plus. Au lieu d'en récolter deux, j'en récolte trois là. Alors, oh c'est le bordel. Donc, destinée accomplie. T'as accompli ta destinée déjà toi? Ouais. Ça fait rapide. Hein. Alors du coup moi ce que je vais faire c'est que j'allais foutre tous mes conneries en vente. Oh là là, le jeu il rame sa mère. Ah bon, moi il y a est très tellement. Ah mais t'as quitté la zone de tuto. Oui. Oh mon dieu. J'ai agent du tous monde. Tous les packs légendaires. D'où Jésus. Alors, fabriquer une veste de mercenaire du débutant. Donc vous voyez que là je récolte des ressources, notamment du cuir en tuant des lapins. C'est des lapins de niveau 1, de tier 1, on appelle ça du tier dans le jeu. Et derrière, donc je vais me faire des armures, donc ici par exemple. Hop, comme ça, des petites bottines aussi. Nice. J'ai fait donc un truc pour récolter, j'ai fait une hache, j'ai fait un truc pour le cuir, on peut faire une masse aussi. Non, je crois que ça sert pas la masse. On va se faire juste une pioche. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert la masse, donc on verra bien, on va attendre qu'ils nous Putain, mais d'où ils sortent leur monture? Tout ce que j'ai fabriqué, ça l'a équipé. Je vais vous monter un peu le son du jeu quand même, parce que même moi je l'entends pas fort. Paramètres, audio. Je t'attends à la sortie du tuto. Voilà. Ah, c'est un peu mieux déjà. Fabriquer une épée, ils me disent. J'ai oublié de fabriquer des armes. On va faire ça tout de suite. Du coup, je suis plus nudiste. T'es nudiste toi? Non, t'es plus nudiste là. Non. C'est fini. Waza vous invitez à rejoindre son groupe. Ah, il me faut du bois. Attends, mec, j'ai pas de bois. Ça, c'est le bon. Donc c'est des vrais joueurs hein, que vous voyez autour de moi là. Pour ceux qui se posent la question. Ah voilà, je peux récolter des gros arbres là. Oh nice. Non, je vais fermer l'interface sans faire exprès. L'épée et le bouclier, il me faut encore un petit peu de bois pour le faire. Voilà. On est bon. Magnifique. Le bouclier. Ah mais il y a plein de stuff en fait. Voilà. Nice. J'ai trouvé un truc, mec. Tu regardes tes messages.
Alors, sort de l'objet. L'objet dont vous venez de vous équiper possède des sorts à choisir. Pour enfermer ce message, vous pourrez utiliser la sélection des sorts à droite pour configurer le sort. Donc j'ai quoi là? J'ai frappe débutant, 117 de dégâts. Ou tranchage débutant, 91 de dégâts. À tous les ennemis à proximité. Putain, le spam quoi! Cours d'énergie 4, cours d'énergie 3. On va prendre l'attaque classique. Voilà, on va équiper le bouclier. Et on va quitter la zone, hein, je crois. Utiliser n'importe quelle compétence sur un mannequin d'entraînement. Donc c'est parti. Oh! Regardez mon poids, je suis à 200%. Quitter l'île et aller en ville. Allez, on est parti. Comment ça, t'as vu? Qu'est-ce que t'as ramassé? Qu'est-ce que t'as mis dans ton inventaire encore, toi? Comment il peut être 200% dans mon inventaire? T'as un buff dans ton inventaire. Le putain de buff de l'explorateur légendaire dans mon inventaire. Icebreaker. Et du coup, mon perso, il en pèle. Qui nous fait un petit don. Alors, attendez, j'agrandis. Ah, ça marche pas. Vive le premium! Merci à toi, Icebreaker. Premier don de la soirée. Ah oui, alors, je te vois là, tiens. Attends, mais... Mec, regarde-moi me déplacer, c'est trop drôle. Vas-y. Regarde. Attends, t'es prêt? Vas-y. Oh, papy! Ah, papy! On se fait vieux, papy! Mec, merci de se déplacer. On se fait vieux, papy! Attends, mais je vais prendre mon buffle. Attends, tu l'as ramassé où ton buffle là? La vache, mec, y'a trop de gens ici. Y'a trop de gens. Bienvenue à la forêt Cross Frigiel. Albion a besoin de personnes robustes et aventureuses comme vous. Allez, on accepte la quête. J'accepte la quête. Parlez à machin. À Royal Crafter dans Forest Cross. Attends, mec, il y a trop de choses à l'écran là. Je comprends plus rien. J'explose, ça explose. Trop de choses. Il est où ton buffle? Où est-ce que t'as eu le buffle? Bah, en haut à droite, il y a des courriers. Et tu mets. Attendez. Oh, mec, j'ai 12 courriers. Ouais, mais c'est tous tes packs légendaires qui ont pop là d'un coup en fait. Attendez, mais moi je vais mettre. Mais ouais! Je vais mettre tout mon stuff T3 là. Attends. Comment. Attends, parce que faut pas que je prenne n'importe quoi non plus. Comment je retire un truc du coup? Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bêtise là? Comment tu l'as invoqué ta monture derrière? Non, j'ai ma monture. Ouais, mais tu l'as invoqué comment? Il y a une touche pour l'invoquer, je crois. Sprint, guérison. Ah, mais c'est tellement le bordel. Qu'est-ce que c'est comme monture ça? Oh mec, j'ai un mec qui me tire quand je suis dans un petit chariot, il me tire. Hey esclave, je suis un vieux papy moi. J'ai pas tout le temps. De toute façon, les 5 premières minutes, les gars, ça va être full bordel, je pense. Hein, je peux mentir. Mon gars, il y a des buffs partout là. Ah, oh my god. Oh. Au secours. Mes yeux. Oh, le cœur est pas mal. T'es où le? Mes yeux. Attends, il faut que j'aille dans l'interface là. Je vais désactiver la vie des joueurs. Ah non, moi aussi, t'as raison. De dégâts. Attends, je sais que c'est possible, je l'avais vu. Ouais, non, c'est dans tag de nom. Interface utilisateur. Tag de nom, tu dis? Et ensuite, type de badge petit. Attends, mec, j'ai tout désactivé là. Voilà. Voilà. On peut. Moi, j'ai gardé que le groupe et voilà. Je sais pas ok, si bon niveau buff, on est un peu mieux là déjà. Ah, j'avoue qu'on y voit mieux là. Bon, on voit voilà plein d'animaux un peu partout, mais c'est tout. Non, mais j'arrive pas à télécharger le jeu. Ah tiens, on va donner des codes. C'est parti. Premier code les amis, à entrer sur le site, faut vous créer un compte. Vous aurez accès au jeu pendant un mois. Bim bam boum. Alors ça c'est le coffre où tu peux stocker tout ce que t'as en trop sur toi. Ouais, je suis en train de stocker. Moi j'ai rien à stocker, attends, je vais voir ce que ça change. Si, t'as tout tes loot de. Charge max 313 kilos. Charge max, 1800 kg en charge max, lui. La vache. Bonus de vitesse de déplacement plus 20%, bonus de vitesse de déplacement plus 45%. Ok, nice. Putain, j'ai des bots 3. Bon, attends, en fait, il faut que je regarde tout le bordel des bots. Attendez, je vais équiper mon cheval. Ah ouais, non. Je pense qu'on va faire autre chose. Voyons voir, si je sors le cheval, il se passe quoi? Ouais, 10. Ah, c'est pas mal, c'est pas dégueu le cheval. On va ramasser du coup les objets là du pack légendaire. Oh mec, il y a des armures et tout. C'est trop plus 85. Et ça, point de vie max plus 23. Ah, elles sont pas dégueu les armures en plus, c'est du T3. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te disais, c'est le bordel. Parce que moi j'ai tout équipé en même temps, mais en fait il y a deux sets d'armure, il y a un set d'armure spécial je crois. Ah ouais? Ouais. Ah vache. Il y a une set d'armure. On va regarder un petit peu les bonus de cette armure, ouais, ça a l'air pas mal. Donc si on regarde notre personnage et qu'on fait. Statistiques. Actuellement, du coup, voilà, statistiques, bon, ok, au niveau des combats, nanana, tableau d'élimination.
Où est-ce qu'on voit les statistiques? Voilà, c'est ici. Donc puissance moyenne de l'objet actuellement 98. On va équiper tout ça pour voir. Alors, je peux prendre des compétences. Vous soigne d'urgence, regain d'énergie, défense. On prend soin d'urgence. Ok. Robustesse. Ou autorité, durée de... Ouais, robustesse, c'est très bien. On va partir là-dessus. Donc la puissance moyenne de l'objet, 220 déjà actuellement, donc c'est pas dégueulasse. Provocation, provoque au côté mieux augmente la probabilité de voir des monstres en proximité vous attaquer. Fury, une fois déclenché, vous avez un bonus de dégâts de 10%. Ah, c'est bien ça. Durée de cesser augmentée. Ah ok, en fait on a un stuff en tissu et un stuff en plaque en gros. Ah ouais. Ouais. Ça c'est quoi que j'ai équipé? En gros, tout ce qui est de l'explorateur, je crois que c'est du tissu. L'aventurier genre, légendaire, moi j'ai mis. Y'a l'explorateur ou l'aventurier? Bah t'as mis l'aventurier? Ouais. Bah je mets l'explorateur alors. Sprint rajeunant, augmente vitesse de déplacement de 100% pendant 3 secondes et vous rend 27 PV par seconde. Combien jusqu'à 8 fois? C'est le bordel. Augmente vitesse de déplacement de 60% pendant 7 secondes. Ah c'est pas mal ça. Je prends. Votre capacité de charge maximale augmente de 25 kg. Nice. Ça c'est parce que c'est... Attends, ça c'est qui pousse la cape? Ah ouais, là-haut. L'outil est en position de se situer dans un... Et du coup, puissance moyenne de l'objet 368 maintenant. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on est bien pour le début du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer dans nos jolis petits courriers? Oui, je vous ai donné une clé là, du coup. Ah ouais, mais je vais pas faire un titre putaclic giveaway. Moi je fais des giveaways sort canalisé qui que pour ma communauté. Ah oui, ça c'est un élément décoratif, donc on va mettre une encre dans l'inventaire qui risque de s'alourdir un peu. C'est parti. Ensuite, on a encore des montures. Bonjour la monture, bonjour la monture. Ok, aventurier, aventurier, aventurier. Plus 45, je suis maximal 313, plus 20%, 1800. Ok. Le ninja vous invite à rejoindre la guilde le Bloodcock. Non merci. Augmente votre vitesse de déplacement de 100% pendant 3 secondes et 27 PV pendant 3 secondes. Hop. Voilà, pas mal. Hop. Hop. Je stocke pour l'instant. On se prépare pour l'instant. On commence doucement. Ah oui, voilà le fameux stuff du coup. Ah non, mais je mets les mauvaises bottes depuis tout à l'heure, merde. Fabriqué par système. Comment tu sais fabriqué par système, t'as vu? Ouais, ça a été fabriqué par système. Comment tu sais si c'est en tissu ou pas? Je vois pas à quel endroit c'est écrit. Non, c'est pas vraiment. C'est... En fait, c'est avec quoi ça a été fait? Ah, ça a été fait avec du cuir celui-là. Et celui-là, ça a été fait avec du fer. Ah, bien joué. Enfin, je crois que c'est ça, hein. Je sais pas si... Bon, on verra en fonction de ce qu'on se spécialise ou pas, s'il vaut mieux du cuir ou du fer. Pour l'instant, on va prendre du fer. Tu comptes jouer plutôt quoi, toi? Moi, j'ai joué du tissu, du coup. Bah, je voulais opposer de toi pour qu'on ait pas les trucs, même trucs, quoi, ça. Ouais, tu sais pas trop quoi jouer, quoi. Ah non, j'ai équipé sans faire exprès. De toute façon, tu sais qu'on peut mettre. Donc, toi, les t'as pris l'aventurier, on est d'accord? Ouais, j'ai mis le truc en fer là pour l'instant. Ok. Toi, je suis un papy aventurier, toi, tu es un papy explorateur. Ah, je te vois. J'ai vu, il y a écrit Frigiel au milieu du tas. Bah oui, on va pas se rater là. Il me reste maintenant alors une statue commémorative de mon grand-père lorsqu'il est mort à la guerre. Ensuite, mon bac que j'ai fait encadrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une armure dégueulasse qui appartient à mon grand-père aussi, mais bon. Je pense tout, que tout le setup de l'aventure. Vendre, aux enchères. Voilà. C'est parfait. Ensuite, encore une armure, cette fois-ci en mode tissu. Donc voilà. Ça nous servira si jamais on perd notre stuff. Hein. On équipera du stuff de remplacement à la place. La longue vue de ma grand-mère. Ok. Y a rien là-dedans. Nous avons augmenté le montant inclus dans votre pack fondateur de 20%. C'est nul ça. Les gars, donnez-moi des choses au lieu de me faire des petites lettres. D'accord. Et à la fin, je me suis fait arnaquer. Est-ce qu'on créait pas la guilde? Bon, vas-y, mec, ouais. Attends, vas-y, viens avec moi. On va sur le. On va faire un pacte sur l'eau, là. Un truc comme ça, un truc à la con. Attends. Je suis en train de stocker le. Le stuff, c'est important. La longue vue de ma grand-mère, le bac. Voilà, c'est fait. Donc, t'es au bord de l'eau? Ouais, je viens avec moi. Vas-y, je suis là. Alors attends, je vais juste lire un peu les messages. Ok, non, ça va. Oh, oui, il y a une forge ici que j'ai ouvert sans faire exprès. Je suis là. Ok, bah attends, viens, on va, genre, ici. On va faire un... Non, mais toi là, à côté. Tu veux que je descende? Du coup, on te voit plus, t'es caché par un montier. Oh, bourriquet. Je vais le mettre là. Ouais, c'est bon. C'est marrant ça qu'on puisse, ouais, genre vas-y, poser vas-y. Sa monture à côté. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est son... Les amis, alors tu vas-y. Fais en haut, tout en haut, donc c'est le troisième. Troisième en partant de la gauche. Ouais. Tu cliques dessus, et tu vas, donc là, il y a des guildes qui existent déjà. Toi, tu vas dans en dessous, là, il y a écrit créer une guild. C'est à droite du menu. Il y a des petits menus là, ouais, des sous-menus. Créer coûte 12 000, mais on a pas assez d'argent.
Mais si, on a assez. Non, on n'a pas assez d'argent. Bah toi t'as 12 000 et moi je l'ai créé sur ce chip pour être. On a de l'or, on n'a pas encore de l'argent. What? Et ouais mon gars. Après on peut échanger de l'or contre de l'argent, je crois, mais... Attends. Acheter de l'argent. Moi j'ai le bouton créer qui est pas grisé, toi aussi. Bon, je sais pas. Choisir un nom. Je vais tester. Papy... Nudiste. 12 000. Si tu mets 12 000 or, tu gagnes 200 000... Ok, si on met 500 or. Ok, c'est pas assez. 700 or. Ouais, mais je vais pas vendre mon or pour ça quand même, c'est la crise. Bah, je vais le faire, moi, c'est bon. Tu vas vendre ton or pour ça? Bah, si tu le fais pas, je vais le faire, hein. Alors, tu vas dans l'option qui s'appelle... Acheter de l'argent. Marché de l'or, voilà, tu fais vendre de l'argent. Non, faut vendre ou acheter? Ouais, vendre de l'argent, tu vois. C'est vendre? Et tu fais vendre de l'or, sans... si c'est la quantité, tu mets, par exemple... Alors, acheter 800. De l'or... 800. Mais non, vendre c'est de l'or, pas tu mets... vendre... Mais c'est... si mais j'ai rien, c'est... Vends ton or, là, vends ton or. Mais là, je peux que acheter de l'or ou acheter... À droite, vendre de l'or. Tu mets 800. Ah oui. Et 800. Tu fais vendre. Vendre. Et un or égale 16 pièces d'argent. Ok. Et là, du coup, normalement, t'as assez pour créer la guilde. Ah, je la crée, alors. Les amis, nous allons créer cette guilde. Allez. Attends, je vérifie bien que j'ai dans mon inventaire l'argent. Ouais, c'est bon, j'ai l'argent. Nice. Alors, on va choisir un nom. Émouvant, les amis. Attends, faut qu'on soit nudiste. Qu'on soit nudiste pendant qu'on fait ça. Alors, les motifs, bon, vas-y. On s'en fout un peu. Retire. Ouais, tu bon, peux juste garder 4. La cape. Couleur. Deviens nudiste. Attends, je... Avec un femme. C'est pas grave, je suis nudiste pour toi si tu veux. Voilà. On est bien là. Là, on est bien, les amis. Mal, allez, je vous donne un autre code pendant que Waza crée la guilde. Encore une fois, faut se créer un compte en premier. Alors, pas mal. Emblème de guilde. Ah non, c'était bien ça. Mais nous, couleur de l'emblème. Oh putain, mon papy nous dit. Couleur de l'emblème, on met quelle couleur? Bleu ou doré, quoi. Bleu. Moi, je dis du doré sur fond bleu, c'est trop stylé. Ouais, c'est mon bleu. Ou c'est du doré bon. Sur taille fond marron. Du doré sur fond marron, c'est bien aussi. Il y a déjà pas mal, hein, des guildes, hein. Pas mal. Position. Non mais ça va être bon là. Il y a la Sardor Charmy. Il y a la Zerator. Êtes-vous sûr de vouloir créer l'emblème Zerator aussi. Il y a 2, Millennium aussi. 1. Vas-y. Payé. Qu'est-ce que t'as mis comme emblème dégueulasse? Ouh, elle a été créée. Yes. Je suis sûr qu'il a, c'est mis pas... un... Il a mis un emblème caca. C'est pas pénudiste, mec. Alors du coup on a tous les options. Ok, attendez. Attends, inviter un joueur. Je vais inviter Frigiel. Ah, je suis sûr qu'il a fait un emblème dégueulasse caca bidon. Trop bien! Ah, oh, c'est dégueu, mec, tu peux changer ou pas l'emblème? Rassure-moi. Et c'est impossible de faire mieux que ça, je pense. Non, mais mec, c'est caca! C'est caca! Chef c'est de quel rapport avec Papy? Mais j'ai pas trouvé. Mais c'est caca ton emblème là! Si, je suis sûr qu'on peut attends, changer. Attends, je recrée un autre. Non, mais on peut changer. Il y avait rien. Non, mais vas-y, check pour créer une guild, tu vas voir si c'est vraiment trop bordel. Je te parie que je te fais un emblème trop stylé. Attends, je peux pas checker. Alors, trésor. Ok. Fonder une alliance. Faut que attends, je quitte la guilde, tu me réinvites. On va essayer de créer un emblème stylé pour prouver à Waza que c'est possible de faire un truc de classe. Voilà. Couleur du bon, motif. Description, j'ai écrit venez comme vous êtes. Couleur du motif, vous mettez par exemple du okay. Rouge là. Bon gros rouge. Couleur du motif 2. Enfin, ça, on s'en fout. Emblème de guilde. Là, vous mettez un papy, vous cherchez un papy là-dedans. Et vous le mettez doré. Regardez la poêle. Je veux tellement tout. Ça va là par exemple, pas mal ça. Ok. Ah mais y'a vraiment un emblème ZT quoi. D'accord. Y'a vraiment un emblème ZT en plus. Mais oui, bah oui. Non mais il est à poil le faucon là. Mec, ça passe. Franchement il y avait... Mec non mais y'a des emblèmes qui sont tellement stylés. Ça fait n'importe quoi. Alors, on peut même faire mon logo. Mec on aurait pu faire mon logo sur l'emblème. Mais qu'est-ce que tu... C'est vrai? Mais je t'assure. Y'a ton logo? Y'a mon logo. Bah attends, vas-y, je la supprime. Et voilà, c'est mon logo. Tu veux que je te fasse un push? Vas-y, push moi. Vas-y. Comment je fais pour dissoudre une guilde du coup? Ils vont te rembourser au moins? Y'a plutôt... Fonder une alliance. Y'a plutôt intérêt à ce qu'ils te remboursent, mon gars. Bah je m'en bats les couilles de mes thunes. Tiens, je te le mets sur Discord. Voulez-vous quitter la guilde des papy nudistes? Y'a déjà personne. T'en fais voir du coup à quoi ça ressemble? Pas trop mal.
Ah, tu veux faire un truc comme ça? Bah ouais. Mais c'est trop bien ce que j'avais fait. Bon, bref. Quitter. Oui, je quitte. Voilà, hop, Crane Guild. Attends, il y a peut-être un meilleur motif, mais bon. Tu fais pas mal. Attends, mais comment je fais pour supprimer? Non, elle a été supprimée automatiquement, je pense. Comment t'écris papy exactement? Ouais, comme ça. P-A-P-I-S. Papy nudiste. Alors, motif. Plein, couleur d'arrière. Donc, tu m'as dit du bleu. Ouais, est-ce que le mieux c'est le bleu foncé ou le bleu clair? Couleur du motif. Tu préfères quoi toi, le bleu foncé ou le bleu clair? Bleu foncé. Attends, est mieux, le blanc ressortira mieux, tu verras. On met le blanc? Et couleur du motif, ouais, de dessin, tu mets blanc, ouais. C'est le combien c'est l'emblème et c'est le numéro? Faut pas que je cherche pendant 10 ans. C'était le 13. Ok. C'était le 13, ouais. Y'a pas flocon flocon, mais ça ressemble un peu quoi. Et mets le bleu foncé, pas le bleu clair. Hein. Ça rendra mieux. Est-ce qu'il va 13 rester, hein? Ouais, 13. Ça porte bonheur. Allez, je vous lance un troisième code du coup. C'est parti. Ok. Mais du coup, t'as plus assez d'argent, mon gars. Mais t'inquiète, on s'en fout. Bon, je vais farmer. Guide. Au revoir, le papy nudiste s'en va. Que font tous les gens ici? Il doit y avoir un truc important. Difficile à savoir quoi, mais... Bâton de feu. Ah oui. Le blanc, genre le blanc éclatant dont tu me parles? Ouais, le blanc blanc. Bah, regarde l'image que je t'ai envoyé sur. Ouais, sur. Ok. Qu'est-ce qui est ton interface? C'est trop chaud pour marquer le code. Ah bah il faut être rapide. Hein. Tuer des créatures à part les deux ou plus importants mages. Ok. Oh, d'ailleurs on vous a pas dit, mais pour la guilde il y a un Discord. Putain. Je. Tuer des créatures à part les deux. Il y a un Discord pour la guilde. Alors c'était pas une activité. Attends. Je vais sur ta TV. Ouais, si tu veux. Faudrait que j'ai MP les modos et je leur dis de spammer pour, de temps en temps pour le Discord. Mais ça c'est pour ceux qui vont jouer, donc on peut attendre un petit peu qu'ils se décident sinon aussi. Ils savent peut-être pas déjà s'ils vont jouer ou pas. Hop. Je me balade un petit peu dans la ville en attendant là, parce que Rosa fait tout en même temps. Bah, je m'en occupe, ouais. Car y a de la pierre là. Yeah. Et où t'es de la pierre? Nice. Y'a un mec qui ferme la pierre là. Ok. Il y a tellement de gens dans cette ville. Ah putain, le nom est déjà pris, du coup il faut que j'aille supprimer. Putain, mais il y a une team sans personne. Oh chier. Qu'est-ce qui se passe? La guilde des papinudistes existe encore? On est mal barré. Elle n'existe pas, mais le nom est déjà pris. Grosse ambiance. Bon, du coup, on va appeler papy avec un i. Tant pis. Sans S. KS, papy avec KS. Yes. Ah, bah oui, yes. Ah, t'avais mis un Y au début. Bah, heureusement qu'on a recréé la guilde. Hein. Ça s'écrit avec un I, papy. Oh, on a eu chaud là, on a eu vraiment chaud. Non, mais je trouvais que c'était stylé quoi. Ah, okay. Il a réussi. Et alors, putain, joueur. Bien joué. Bien joué. Ok, c'est bon. La guilde est parfaite, ça y est. Voilà, me voici membre des papinudistes. Promouvoir. Territoire, description de guilde, français. Nice, t'as vu, il y a le logo sur le bouclier. Ok, bah du coup, je suis le. Exclure. Rétrograder, promouvoir. Pourquoi je peux pas te promouvoir? T'es le chef? Peut-être parce que je suis le chef aussi, mais tu le sais pas. Ah, vous écrivez ouais, papy avec un Y et mamie avec un E? Moi, j'écris papy avec un I et mamie avec un I. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah viens, on va fermer. Bosse notre, ouais, mais il faut qu'on bosse notre T2 là du coup, je crois, non? Bah viens, il faut qu'on aille chercher des ressources. Et il faut chercher les quêtes aussi, mec. Ouais, il voulait qu'on parle à un certain je sais pas quoi là. Ouais, bah attends, je vais prendre des quêtes moi. Oups, bon, de toute façon, cet endroit grouille du monde, ça m'énerve. J'ai ouvert l'hôtel des ventes. Là, il y a une quête là, je crois. Quête, ça a rien à voir, circuler. Bon bah, il y a pas de quête, très bien. Là, il y a un truc, une mission. Expédition individuelle du compagnon, palier 3 joueurs 1. Vous gagnez 1000 en le faisant. C'est parti, j'y vais. Commence. Tu vas là ? Dégâts contre les créatures. Saccageur apprenti. Dégâts contre. Tuer des créatures, 0 sur 1000.
C'est la quête. Attends, je vais juste voir si je l'ai prise ou pas. C'est participer à une activité. Puissance mind object de 150. Ah mais, conditions requises, saccageur apprenti, donc on n'a pas assez encore. Et lui il a une quête. Viens, viens, on va farmer le T2. Il faut qu'on aille farmer le T2 en haut à droite, il y a des quêtes. Attends, j'ai parlé à T-Cross là. Choisissez une arme à fabriquer. Épée de l'apprenti numéro 2. Vous devez posséder 1 de pioche du débutant. Attends, tu veux. Toi tu vas prendre quoi? Une épée, un arc plutôt ou un bâton du feu? Je vais prendre une épée. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Ouvrir la carte du monde, retourner voir Real Crafter une fois que c'est fait. Voilà, c'est fait. Attends, ok. Collecter 16 minerais de cuivre, collecter 8 peaux de bêtes résistantes. Allez, allez, on va faire ça du coup, c'est parti. Tu me suis? Attends, attends, collecter 3 troncs de bouleau, retourner voir machin. Ah, on a pas la même quête, tiens. Bah non, parce que moi j'ai pris l'arc. Ah oui. Bah viens, on va à gauche là. On va à gauche. Ouais, on va à gauche, c'est parti. Allez, le vrai jeu commence, les amis. Ouh! Allons-y. Faut qu'on aille farmer. Bon, il va y avoir des tonnes de gens aussi. Hein. Mm. Ça va pas être la... ça va pas être la joie non plus. Alors, t'as bindé tes touches AZE, etc. Bah. Oh, putain. Non. Oh, mec, ça a l'air d'être tellement la S. T'as la hache, t'as tout, toi? Bah, regarde, regarde tous les chariots et tout, y'a des mecs. Vas-y, on va faire du boulot, ça, c'est quoi? Ah non, c'est du tronc 1, c'est nul. Ouais, c'est du tronc 1, ça. Attends, qu'est-ce qu'il voulait, moi, déjà? 16 minerais de cuivre et des peaux de bêtes résistantes. Bah hop, viens avec moi, on bouge. J'arrive. On va un peu, on va s'enterrer un peu quelque part là. T'es arrivé à cacher l'interface en haut à droite là, compagnon aventurier? Non. C'est un peu infâme, j'aimerais bien que ça disparaisse un jour. Ouais, c'est carrément gros. Ah, attends, c'est pas du cuivre ça? Minerai d'étain, non, c'est pas ce que je veux. Et l'étain, tu peux faire des trucs aussi avec le cuivre. Ouais, mais je l'ai pas pris du coup. Poudoum. Nous voici à l'extérieur. Des joueurs sans armure. Putain, mais mon bois là! Se balade. Mais c'est des méchants, mais go tuer les méchants là! Ouais, ah, ah oui, en bas là, oui, y'a des méchants. Ouais, en bas y'a des méchants en bas. Le boule. Putain, et on est dans une zone 2 ou une zone 1 là? Vous ne pouvez pas faire ceci sur une monture. Attends. On est sur A, mais on est sur une zone 3. D'accord. Sérieux? Bah, j'ai l'impression. C'est du T3 ici? C'est du T3 après, j'ai l'impression. Ah, j'essaie de farmer ce bois là. On soigne aussi. Ça va, les compétences remontent vite hein. Alors, c'est quoi ça, cette bêtise? C'est une bambi qui donne du cuir niveau 2. Peau de bête, 3 sur 8. Nice. 6 sur 8. Ah, je te pique le bambi, merci. Voilà. Bon, y'a du T2 en... Ouais, t'as entendu en... le... T'as oublié ton cheval, bon, ok. Non, t'inquiète. Il... Oh, c'est quoi ça? Oh, goul tué. Puma. Ah bah, c'est un 3. Descendre. Oh, t'es qui, là? Tu crois qu'ils ont pas le... T'as plein de compétences avec D et tout, hein. Ouais, t'inquiète. Ouais, oh, y'a un mammouth qui nous passe dessus, là. Vas-y, on le tue. Mais on pourra pas le looter, lui, hein. On a pas le couteau nécessaire pour le looter. Regarde. C'est un niveau 3. Donc, en chaque fois, en dessous du trophée, vous avez écrit le niveau de l'ennemi. Minerai d'étain, ici. Et lui, il était trop okay. Fort. Bon, j'ai l'impression que c'est une zone de merde, voilà. Je vais pas te mentir. Bah, je comprends pas, on était dans une forêt et d'un coup, on arrive ici déjà. C'est bizarre, ça. Oh, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avoue. Je me fais hagard. N. Ouais, ça va jusqu'au tier 3, ouais. Viens, on va plutôt en haut, du coup. Attends, mais y'a que... Non, mais viens, on retourne dans la ville et puis on va autre part. On va en haut dans la ville après. Ouais, ça marche. Je peux faire suivre quelqu'un? Attends-moi deux secondes, moi je clique sur toi, on va voir si ça marche. Vas-y, je clique sur toi, là. Suivre? Ah ouais, clic droit, ça suit, je crois. Ah non. Je crois qu'on vient à peu près de là. Ah, là tu vois, il y a de la pierre, mais il y a un mec qui s'est jeté dessus. Donc c'est tout. Il avait. Oh, ah, Goukov, c'est quoi ce truc? Tu vas où là? Je sais pas, j'essaie de retourner à la ville. De grosse ambiance. C'est par là, t'inquiète, je sais que c'est pas. Fine. Fais-moi confiance. Oh, encore un autre joueur avec sa monture esclave. Putain, mais tu te rappelles quand il y avait. Quand on avait dans World of Warcraft le petit suivre? C'était pas trop bien ça? Ah oui, purée. C'était la vie. Regarde, c'est la vie ici, on est de retour. Voilà, c'était super, merci d'avoir suivi ce live, et à la prochaine. Belle aventure. Oh, le lag. Oh, attends, la question c'est... On va en au milieu. Ouais, on va tenter au milieu, vas-y. Oh, purée. C'est moi où il y a encore plus de monde que tout à l'heure, là. Oh non, mais je me casse, mec. Oh mon dieu, toi. On va s'enterrer quelque part.
Ah, ça a l'air bien ici. Il y a un grizzly en image. Alors, ici, on peut avoir du tier 1 et tier 2. On peut avoir du tier 3 aussi, mais ça a l'air plus soft, franchement. C'est parti. Tu te fous quoi, toi? On se sépare un peu, du coup? Non, on pourrait s'ensemble. Oh, des arbres que... Ah, il y a du boulot, là. Voilà. Ah non, c'est du T1, ça. Moi, j'ai du boulot, là. Bah ouais, mais c'est du T1. Mais je parle pas de l'arbre. Ah. Ah. Attends, parce que ça, c'est du T2, par contre. C'est des gros arbres. Y'a un autre joueur là, il va me piquer mon arbre. Casse-toi le joueur. Voilà, là je récolte du bon bois qui est super. Mec, j'ai un boulot à neuf. Il est tout neuf. Yes! Alors, on a bien fait de venir ici, tu vois. Ouais. Alors, moi je veux de la pierre du coup. Où est-ce qu'on va trouver ça? Plutôt dans les montagnes. Est-ce qu'on peut voir des montagnes un peu par là? Y'a pas trop de montagnes dans cette zone, je sais pas où est-ce qu'on va trouver de la pierre. On va aller voir un peu, on va se balader, on verra bien. C'est plutôt une zone forestière, j'ai l'impression. Ouais. Ah, il y en a là, regardez. Moi, je suis très content. Qu'on arrive à descendre, là. Alors, c'est de la pierre quoi, ça? Pierre brute niveau 1. C'est pas ce que je veux. Nous, on veut de la pierre. Putain, j'en ai déjà 60, mec. Un peu plus solide. Ça récolte tellement vite. Oh, bah, je suis prêt, hein. Moi, je vais faire mon arc. Bien joué. Déjà, à toutes. Ouais, moi j'ai pas la pierre encore. La pire idée de pas prendre l'arc. Mais ouais, j'aurais dû. Hashtag déforestation, j'avoue, j'ai un peu fait ça. Attends, je suis dans une zone de PNJ là, il y a peut-être de la pierre ici. Je le sens bien. Ça ressemble à une carrière de pierre, les amis. Ça se bataille là. Ça se bataille fort. Non, il y a absolument aucune ressource ici finalement. C'est de l'arnaque. Bonjour, notre joueur qui se balade tranquillement. Salut mec! Vous devez fabriquer 12, 30, 32 planches. Oh putain. Alors ça c'est dans le mini artisanat je crois. Attends, je suis pas fichu de trouver un caillou quoi. Eh ouais, non mais c'est hardcore, hein. Je suis d'accord avec toi. Alors l'artisanat c'est où? C'est là-haut. Je veux des cailloux, et là c'est pas des cailloux que je veux, ça c'est du grès. N'hésite pas à venir sur mon stream pour encore plus de... Ah mais non! On va finir par le trouver le caillou, t'inquiète. Il y a écrit sur la carte qu'il y a du caillou quelque part. C'est écrit là-haut, là. On va le trouver. Faut juste persévérer un peu. Albion est censé énormément côté marketing. Ouais, j'avoue. Non, il y a ce qu'elle fait. Non, mais ce qu'elle fait Albion, c'est incroyable quand même. Je sais pas d'où ils sortent leur thunes. Ah bah, du jeu, parce qu'il est payant. Hein. Oui, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi, genre World of Warcraft, il fait pas ça, lui, par exemple. Ouais, c'est vrai. S'ils ont pas besoin. Fabriquer un arc, je suis là pour... Non mais, je crois qu'on va changer de zone, hein. On va aller voir là-haut, là. Hein. Pas plus de cailloux. Faut que j'aille fabriquer un arc de l'apprenti. C'est vrai, y'a pas de cailloux, là. C'est que ça se fabrique. C'est vrai que j'ai un cheval qui me fait dépasser plus vite, parce que sinon ça m'énerverait, là, de chercher du caillou. Ah merde. Non, c'est pas là. Merde, où est-ce que ça se... Ah, c'est là que ça se fabrique. Alors, changement de zone. Donc voilà, en fonction des zones que vous explorez, bah vous avez plus ou moins de ressources. Vous avez des camps de PNJ aussi, mais ils étaient un peu farmés. Ils peuvent looter de l'or. Putain, mais c'est enfer, quoi. Quelques loot aussi. Il y a des donjons aussi, là, je sais pas. Mais gros retard. Ah non, j'arrive à la ville, là. Ouais, il y a des donjons, ouais. Voilà, c'est... Il devait y avoir encore plus de... J'étais en train de... Mec, je suis allé dans une forgerie pour faire un arc. Je suis à la ville du jeu, là. La ville secondaire, enfin... La ville principale secondaire, entre guillemets. Oh, mais putain, mais j'en ai rien. Mec, il y a encore une tonne de joueurs ici. C'est possible, je me dis. C'est insupportable. Casse-toi. Insupportable. Trop de monde. Trop de monde ici. Tiens, mais je veux juste construire mon truc, merci. Ouais. Donnez-moi du caillou, s'il vous plaît. Mec, faut qu'on embauche des gens pour la guilde là qui forment le caillou à ma place. C'est pas possible ça. Qui mange du T2, mec. Bien joué. Alors. Moi, je suis toujours à la recherche d'un petit caillou. Frappe les ennemis situés dans un cône devant vous et inflige 105 points de dégâts, ou bien vise un seul ennemi et fait plein de dégâts. Je prends ça plutôt. Oh, des loot T3. Ok, parfait. Ah oui, je me déplaçais moins vite parce que le loup avait hurlé. Ah, je vais mettre mes trucs à l'HDV là. La pierre brute aussi. Je vais mettre mes 32 planches à... Non, quoique, non, je peux le faire. Alors du coup, on fait quoi maintenant? C'est bon, je l'ai. Ressources de base, je pense que ça se vend pas. Ah, non, toujours pas ce que je veux.
Ah ouais, mais c'est un loup niveau 3, j'ai pas envie de l'affronter là. Il me fait mal en plus. Ouais, je me suis fait un arc, mais j'ai pas envie de faire. Derrière là, après les quêtes des armes, c'est des quêtes d'armure de tier 2. Ah ouais. Je sais pas si ça t'intéresse, mais moi ça m'intéresse. Bah non, ça m'intéresse pas. Faut qu'on se fasse des outils de tier 2 alors après. Ouais. D'ailleurs, je vais aller un peu te dire ce qu'il nous faut du coup pour les outils tier 2. Alors, non, ça pour c'est l'instant, je suis. Ah, mais il n'y a pas de joueur qui passe par là, mais malheureusement, il n'y a pas de filon non plus de ce que je recherche. Du coup, ça. Calcaire. Tour de mage. Oh. Je peux prendre quelqu'un, ça? Non. Masse de débutant supérieur. Ah, mais c'est peut-être pour ça, parce que j'ai pas fait la masse aussi. Non, mais je pense pas que ce soit exactement ça que je cherche, moi. Je veux du minerai de cuivre. Ouais, non, je veux du minerai de cuivre. Mais du coup, il n'y en a pas dans cette zone. Je suis trop bête, moi, mec. Tout à l'heure, je cherche un truc dans une zone en pensant que depuis tout à l'heure, je pense que je veux de la pierre alors que je veux du minerai de cuivre. Et qu'il n'y en a pas dans cette zone là, je suis très doué moi. Ok. Faut que j'apprenne à lire un peu mieux les quêtes. Faut des planches de châtaignier. Compagnon raffineur. Moi, il faut que je fasse du bois. Allez, on va tenter cette zone là, voir s'il y a du cuivre là-dedans. Dans cette zone. Ah, je suis bloqué. C'est pas grave. Fabricant du pavillon du chasseur. Fabriquer des équipements de chasseur. Alors. Du coup, je crois que je suis de retour ici. Mais là, il y a du cuivre. C'est écrit là, là. Donc là, on va finir par trouver ce qu'on veut. À force de chercher. Attends, mais en fait, c'est la pire idée d'être archer en fait. Qu'est-ce que je peux fabriquer en étant chasseur? À part des arcs. Genre, je vais fabriquer 12 000 arcs? C'est ça que je vais faire vraiment? Moi, je vais fabriquer 12 000 épées si je fais des épées. Hein. Qualité acceptable. Couton. Ah! Minerai de cuivre, mais il a été. Il a été miné déjà, donc c'est ce que je cherche, ça. Vous avez vu? Qualité acceptable. Qualité admirable! Oh! Oh, GG! Qualité admirable. Ah, du coup, ça augmente les dégâts de mon arme! Ah, bah, ouais! Bien sûr. Nice. T'as eu plus de chance, c'est du hasard, ça. Ah, c'est trop bien, ça, par contre. Donc, quand on crée quelque chose, il y a un pourcentage de chance qui soit bien ou nul. Ouais, c'est ça. Ah, ça sent les angoisses, tu sais, quand tu aurais pendant 10 ans, t'as remué ciel et tel, t'as allé chercher du palier 8, un truc de ouf et tout. Pioche de l'apprenti supérieur, et là, minerai qualité d'étain. Médiocre. Ouais, c'est pas ce que je veux non plus. Alors, catégorie, machin. Je veux du minerai de cuivre, j'ai pas encore ce qu'il faut pour l'éteindre. On va vendre. C'est normal. Je veux vendre quelque chose. Ah, mec, j'ai enfin trouvé. Ça y est. Je vais vendre ça. Il y en a 3. Oh, alléluia. Ce qui m'en fait 4. Oh non, ça c'est de l'éteint. Oh mon dieu, ah bon, oui, c'est bon. Fondre. J'en ai déjà 3 sur 16, ça progresse. Oui. L'abonnement premium il est totalement optionnel dans ce jeu là. C'est juste que ça va plus vite ce que vous faites derrière. Mais c'est vraiment optionnel. Hein. Ah, je vais plus vite que toi avec ton gros buff là. La course, c'est moi qui gagne. Yes! Pom, pom, pom. Allez, voilà. Je vais chez le tanneur. T'es où? Je continue de chercher mes minerais de cuivre. T'es dans en haut. T'es allé dans quelle zone? En haut à droite? Non, celle au de milieu. Gauche. Celle de gauche, celle de gauche. En bas à gauche, là où on était? Ouais. Ok, j'arrive alors. Je viens te rejoindre et je vais un peu farmer tout. Je vais farmer des ressources en vrac, ça me fera plein de thunes. Merci des follow, les gars. C'est ouais, c'est ça. Je sais que je suis coupé. Ah, du cuivre. Oh mec, c'est un filon de neuf, ça y est, je suis refait. Alors j'arrive vers toi mec. Je suis refait, enfin. Non, est-ce que je te vois ou pas? 12. Collecter 16 minerais de cuivre. On y est presque. Il est combien lui? Non, il a été miné par ce joueur. Non, là, vite, faut lui piquer. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, je l'ai piqué. Vous avez vu, là, il y a du minerai qui réapparaît. Du coup, des joueurs, ils farment cet endroit. En tournant autour. 15 sur 16. Oh, shit, on y est presque. Les ressources repop, hein. C'est pour ça que les joueurs restent à côté. Restent à proximité. Oh, mince. Je pensais que c'était un minerai minable. Mais finalement, il était minable comme minerai. Ce jeu de mots? Moi, je vais tuer des gens. Ah, tu peux pas. Ah, tu l'as, c'est bon? C'est une zone non PVP. Ça y est. Ah, c'est toi, ça? Allez, viens, on va en ville. On va fabriquer des.
chose. Vas-y, mais ça on peut le récolter ça, les... ça je le récolte ça. Attends. Ah non, mais ça c'est pour les trucs de mage encore. Ouais, récolte des choses si tu veux. Moi il me faut du bois et du cuir je pense. Attends, du coton là. Fossile du débutant ou supérieur. C'est parti. Ah, t'as pris le cheval toi aussi, ça y est. Non, mais je prends pas le buff, mec. Attends, regarde, non, c'est nul. Oula, ça fight là. Ah putain, y'a les gars qui se trimballent leur chariot partout. Ah, on peut pas remonter par là. T'imagines les pauvres petits animaux qui. Des mecs, ils se trimballent leur chariot partout, ils mettent toutes leurs ressources dedans et ils continuent comme des gros sagouins, genre. Hein. Bah ouais. Mais regarde, on va aussi vite l'un de l'autre là, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi il va aussi vite avec son buff? Ah, voilà. Ah, je t'ai doublé, tiens. Bon. Enfin, enfin, les amis. Nous revoici en ville. Fabriquer 16 barres de cuivre, 8 cuir red. Alors, t'as fait comment pour faire tout ça, toi? Yes. Les barres de cuivre et les cuir red. On va ouvrir la carte pour chercher ce qu'on cherche. Ok, c'est là-bas. C'est de l'autre côté de la carte. Donc là, on cherche notamment la forge, du coup. Et okay, nice. Le travail du cuir aussi. C'est parti. Trop de gens, j'arrive même plus à cliquer sur la carte, mec. J'avais pas vu qu'elle avait clic fonctionner. Donc ici, on a la forge. Ah non, ça c'est pour faire des planches de boulot. On va faire des planches de boulot. C'est parti. Voilà, ensuite. Du coup, la forge devait être... Ok, d'accord. Ok, grosse ambiance. Attends, et du coup, là, je peux me heal. Ok. Je vais dans mon inventaire, mais c'est trop de la merde, en fait, ce sort-là. Je prends celui-là. Bloc de calcaire, bloc de grès... Non, c'est pas la forge, alors, c'est... J'arrive. Alors, fais N pour voir un peu là où tu dois aller. Ouais, je sais, c'est ce que je fais. Pour les outils niveau 2, du coup, il nous faut quoi? J'ai confondu les icônes. Donc voilà, je fais du cuir. Ah, vous avez vu qu'il y avait des pigeons là à côté de la forge? Grosse arnaque. Je sais pas trop où il faut que j'aille là pour le coup. Grosse arnaque. Voilà. Donc ça c'est fait. J'arrive pas à suivre. Comment ça, circoncision? Hop. Eh, je vous donne une autre clé, c'est parti. Cheval, 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 c'est génial. On va leur chercher nos plans finalement. On a nos ressources. Toi t'as fait ton arc déjà, donc là il va me dire ouais. Fabrique ton épée. Non, il va là il va dire fais ton armure. Et on... Une épée large de l'apprenti. Accepté. C'est à la forge que tu l'as faite l'épée. A priori. Comment ça s'appelle? Ah non, c'est là. Regardez, on peut le faire là. Du coup, épée. Épée large de débutant. Non, c'est pas un truc T2 là, moi. Ah, c'est celui-là le T2. Ça c'est le T1. C'est pour ça qu'il y a le tanneur. Épée large de l'apprenti. 16 minerais de cuivre et 8 de cuir. Fabrique. Moi j'ai du cuir. J'ai du cuir rete. De qualité du coup. Qualité normale. Voilà, c'est ni bien ni mauvais. C'est normal. J'ai du cuir rete. Du coup j'ai accès à de nouvelles compétences. Interruption. Ok, pour interrompre l'ennemi. Interrompre l'incantation coup puissant. Toutes les 4 attaques normales, vous infligez un saignement à l'ennemi. Ok. Tu fabriques des bottes. Alors où est-ce qu'on fabrique? Ah oui, c'est là-bas. J'arrive. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire des outils niveau 2, mon gars. Ouais. On en est au même stade, ça y est. Fabriquer n'importe quel casque, quelle armure, quelle botte, patati patata. Ça, on s'en fout, ouais. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des outils niveau 2. Donc, on va aller voir un peu les ressources qu'il faut. Alors, pour faire des outils niveau 2. Ça c'est que les armes, ça c'est les armures, c'est pas là-dessus les outils. Niveau 3... Ah, les outils sont à droite. J'ai un problème mon ami. Qu'y a-t-il? Je n'arrive pas à fabriquer d'armes, enfin d'armure, comment ça s'appelle? Du T2 quoi, l'arme T2 que t'as faite, moi je peux pas la faire. T'as fait pas la bonne ressource. Ça c'est sûr que je l'ai pas, mais... Non, ça c'est pour recycler d'ailleurs, c'est pas rien à voir. Cap de l'apprenti. Tiens, d'ailleurs, on va lui donner des trucs à recycler. Morceau de tissu. Ah, c'est avec du coton. Ah, putain. Ok. Bon. Non, mais en fait, faut tout farmer en fait. Faut farmer comme un putain de. Ah ouais, faut tout farmer dans ce jeu.
Tu peux pas avancer, c'est un truc. Ok, bon, du coup, j'ai pris v'là le retard. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, pour fabriquer une pioche de l'apprenti. Ah, bah, c'est parfait, j'ai les ressources qu'il faut. Mais par contre, je peux pas l'équiper parce que. Alors, déjà, on va la fabriquer, on va voir pourquoi je peux pas l'équiper derrière. Voilà, ça plus tard. Le calcaire. Ça a quelque chose le calcaire ou pas, toi qui as miné un peu? Aucune idée. Couteau à dépecer de l'apprenti. Et la masse comme d'hab que j'ai toujours pas faite. Dans la zone au milieu du coup il y avait pas de cuivre tu m'as dit. Tu sais quoi ça sert la masse de démolition de la poti à destruction des bâtiments de mobilier, ça sert à rien. Est-ce que t'as juste un peu de bois à me donner avant de partir? Non c'est trop tard, t'es parti. Je suis déjà parti ouais. Ok. Donc pourquoi je peux pas l'utiliser? Équiper. Vous pouvez pas équiper pioche de l'apprenti, vous débloquez le niveau de maîtrise correspondant sur le panneau du destin. Certaines maîtrises ne peuvent être obtenues qu'en débloquant d'autres. Alors voyons voir. Donc, voici l'arbre de compétences. Nice. Ça s'appelle collecteur en herbe, ça a collecté des ressources de palier 2. 67 sur 240. Vous obtenez 15 flèches chaque attaque normale et une flèche. Ok. Bon bah il faut récolter plein de ressources alors. C'est pour ça que je peux pas. Raffiner des ressources de palier 2. Fabriquer des outils ou accessoires d'apprenti. Ok. Hacker l'équipement de mage apprenti. Ok. Guerrier. Donc on peut être mage, guerrier. Ou archer. Oh. Mage compagnon. Tuer des créatures. 64 sur 1000. D'accord. Tuer des créatures de palier 2 ou plus en portant une armure de soldat de l'apprenti. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, du châtaignier, putain, mais ça il m'en fout. Tuer des créatures de palier 2 ou pas en portant veste de mercenaire de l'apprenti ou mieux. Ah, voilà, ça je l'ai fait. Ou mieux, d'accord. Et mage, du coup, compagnon. Non, armure, chasseur, compagnon. Guerrier, compagnon. Sous-chef, fabriquer une potion ou un repas. Je vois pas l'arbre de compétences pour les épées. Ah si, c'est celui-là. Voilà. Bon, en gros, faut jouer, faut faire des choses, là, voilà, c'est parti. Ok. On est parti. On va aller avec Waza. Toi, t'es à quel endroit, du coup? Moi, je suis milieu. Mais je fais de la merde, parce que je trouve des trucs T3, en fait. Une nouvelle clé. Ouais, truc T3, bah moi je peux... Mais ça dit, moi je m'occupe du bois et toi tu t'occupes du cuivre plutôt? Ouais, bah de toute façon je vais au cuivre là. Ok, bah fais que du cuivre, je fais que du bois. Je vais me spécialiser mineur si tu veux. Bah moi je vais utiliser bûcheron et dépeceur. Allez, je ferai mineur et tavernier. Non, tu peux être tavernier, dommage. Tavernier. Une bonne bière. Magnifique écran noir, les amis. Hein? Sublime. Ah, crash. Non, je pense que... Je pense que ça nous a fait le souci quand on avait créé le personnage, il y avait un écran noir. Je pense que ça va apparaître, c'est juste que ça... Ça me met dans une sorte de file d'attente, je pense. Ou alors ça crache, j'essaie de me rassurer psychologiquement, mais peut-être que ça crache. Ouais, ça peut être bien. Ah! Ah oui! Ah oui, très bien. Accéder au monde, c'est parti. Attends, mais en fait, j'ai foutu 32 planches à l'HDV. Putain, mais je suis tellement con. Mec, pourquoi t'as fait ça? En fait, non, mais c'est normal. Va aller chercher, tu peux annuler l'enchant de lancer. Non, j'ai pas foutu les planches, j'ai foutu un arc en fait. Genre, j'ai fait un deuxième arc qui me servait à rien, je l'ai foutu à l'HDV comme un putain. Ok. Moi, j'ai bientôt fini le bois. T'as fait du bois toi? Faut qu'on fasse, donc ouais, moi je fais du bois. J'ai des ressources de niveau 2, mais. Il y en a pas beaucoup, hein, c'est pas facile. Ah, ça c'est un niveau 3. Ça c'est un niveau 3 aussi. Niveau 2, c'est des sortes de. Ça c'est un niveau 3 aussi. Oh, c'est pas mal ça. Je valide ça. Bon, niveau planche, mec, je vais être. Ouf. Ah voilà, niveau 2. Parti. Pour l'instant, on va dépecer un peu, du coup. Ah, du coup, j'ai des nouvelles compétences. Du coup, moi, je vais balancer une clé dans mon chat. Vu que j'en ai que 2. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà.
Ouais, qu'on les défonce tellement les animaux, quoi. On a les armures tellement pétées. La recherche du boulot perdu. Oh. Je suis au chômage, Frigiel, j'ai pas de boulot. Pauvre. C'est ça d'être streamer. Fuck. C'est ça d'être streamer. Eh ouais, c'est pas une situation stable. Vous savez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Alors... Bon, c'est toujours du bois niveau 1, genre le truc qu'on en a rien à faire. Mais j'en ai du... Moi j'en ai plein de bois, fais du cuivre. Mais je cherche du cuivre mais j'en trouve pas, du coup je tue des animaux pour défouler. Pour me défouler. Pour me défouler. Pour extérioriser toute cette... Meurs, sale bête. Le mec il pète un plomb. Oh, il y a du boulot par ici. Ok, nice. Parfait. Ouais, ça m'a l'air d'un bon coin à boulot ici, je vais rester ici. Je suis avec qui? Qui es-tu? Toi du cuivre. Miracle. Il y a des bambis en plus à côté, on va tuer des bambis. Nice. Je gagne de la renommée du coup, donc ça fait monter ma compétence récolte de cuivre. Alors du bois j'en ai 160, on est large? Ouais, mais l'important c'est surtout que tu fasses monter ta compétence en fait, c'est même pas le nombre de, bah, laquelle, de ressources. Bah compétence, récolte de bois. Voilà, et quand elle a atteint un certain palier, bah tu peux utiliser la hache de tiers 2. Dessiné et récolter... accompli, collecteur en herbe. Voilà, exactement, voilà. Et une fois que j'ai ça, je fais quoi? Maintenant tu pourras fabriquer la hache de tiers 2, comme je viens de te dire, et tu pourras récolter du bois de niveau 3. Nice. Validé. Ouais, ouais. Je valide. Ok. Ah mais tiens, du coup je suis tellement lent. Fais mon inventaire. Ah ouais, je pense être à 100% et tout. C'est tellement l'enfer de chercher. Du coup, où est-ce qu'on voit le coffre de guilde en fait? Tu sais où on le voit le coffre de guilde ou pas? Coffre de guilde, non. Non. Peut-être dans la prochaine ville en fait. Ouais, je pense. Tiens, regardez lui, il a. Hop là, on lui pique son minerai pendant qu'il est AFK. Du coup, on peut échanger ou pas à ton avis? Oui, on pourrait échanger ça. Waza vous invite à rejoindre son groupe. Ah mec, t'avais quitté le groupe? T'as un forêt. Non, c'est toi qui. Ah oui, c'est moi qui avais t'as un vendu, gros. J'avais bugué, c'est vrai. Tellement un putain de vendu, quoi. J'avais oublié. Ok, ça marche. Bon. Bon, ça commence à bien se passer là, le cuir. T'as du cuir, t'en amasses? Le cuivre, je voulais dire, mais le cuir aussi. Ok. Ouais, mais le cuir, moi j'ai que du cuir niveau 1 nul. Ah ouais, non, moi j'ai le cuir 2. Ah ouais, pourquoi je me casse les couilles? Pourquoi je vais pas prendre du cuivre à l'HDV en fait? Tu peux, mais je te dis encore une fois que il faut monter la compétence elle-même. Ça va finir par rentrer. Faut faire du pay to win. Mais après, c'est un peu du... Enfin, c'est pas du pay to win, mais après tu as une monnaie qui te permet de monter ta compétence sans avoir besoin de le faire. Sauf que c'est pas disponible pour les premiers paliers, mais que pour les paliers suivants. Je fabrique 207 planches de bois 2. Bah vas-y. Paf. Ça va te faire un succès. Oh mec, le succès que je vais avoir, mec. Alors, t'as eu quoi comme succès? Destiné accompli, compagnon raffineur. Ah bah, je te sais pas dire. T'as accompli ta destinée. Tu peux raffiner le bois. Ok. Allez, une autre clé, c'est parti dans le chat. Ah, il faut que je tue des créatures, ok. Saccageur, tuer des créatures. Faut juste que je tue des gens maintenant, en fait. Tronc de boue. Ah, y'a du cuir là. Il me le faut. Du cuivre, à chaque fois je me trompe. Du cuivre, c'est pareil. Putain, mais je vais remonter dans la forêt là et je vais aller refaire du. Mais attends, mais je vais le faire le cuivre aussi. Hein. Je suis un putain de retard en fait. Ah, interdit, c'est moi qui le fais. Je vais tout piquer. Mais du coup, mais moi au cuivre je serais nul à chier, du coup je pourrais rien miner, on est d'accord? Il faut absolument. Bah, là je suis limité par. Il faut que je fabrique ma hache là. Collecter les ressources de palier 2, 211 sur 240. Ah, ça progresse. Attends, je vais encore farmer du boulot, au moins je ferai autre chose. Ça progresse, les amis, on y est presque. Tu me dis quand tu rentres au village, je rentre avec toi. Parce du coup, t'es devenu collecteur en herbe, c'est ça déjà? Je suis. Ouais. Niveau boulot, là, je suis vraiment pas mal.
Vous n'aurez pas mon cuir. Vrai. C'est le mien, Patouche. Nice. Merde. Tiens, mais je ramasse du terrain de temps en temps, ça fera exprès, là, ça me saoule. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile les pauvres, de les différencier. Certains trucs, c'est pas facile de les différencier. Ah oui. Avec celle-là, c'est jackpot, y'en a partout, quoi. Ok, 229 sur 240. Oh là là, on y est presque, les amis. On y est presque. Oh purée, il y a d'autres joueurs là dans la zone. Oh, il a pas vu. Il a pas vu, il est passé à côté. Oh nice. Ah, mais du coup, j'ai fait l'erreur d'oublier. Oh, il arrive. Il veut nous le piquer. Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Qu'est-ce ma destinée est accomplie. Ma destinée est accomplie. Ma destinée est accomplie. Je peux enfin miner des minerais niveau 3. Enfin, je crois. Oui, je peux. Ah, mais non, je peux récolter du tier 3 maintenant. Moi, tu viens avec moi alors. Viens avec moi là. J'arrive. Où ça? On échange nos trucs. Ah. T'as accompli ta destinée aussi? Ouais. Attends, je vais récolter du tier 3, vas-y. C'est un honneur de pouvoir enfin le faire. Et pas avec ta H1 si? Ou ton. Mais non, j'ai fabriqué ma H2, mon gars, déjà moi. Ah putain, mais mec, mais comment t'as fait? Bah, j'avais récolté les ressources nécessaires. Il fallait du bois et de. Mais du bois 1 ou du bois 2? Bah du bois 2. Mais comment tu l'as fait? Mais tu peux prendre du bois 2 avec du bois 1. Avec, avec une H1 tu peux prendre du bois 2. Oh putain, c'est dur hein. Avec une H2 tu peux prendre du minerai 3. Avec une pioche 2 tu peux prendre du minerai 3. Oui, on est d'accord. Bah voilà, alors c'est bon. Bah qu'est-ce que tu me racontes? Non, je déconne. Bah t'as bien récolté du boulot depuis tout à l'heure là. C'est bien du bois 2 le boulot. Alors que t'avais pas la H2. Eh oui. Ok, bah écoute, j'ai besoin de toi. Mais le bois 1, mais je m'en bats les couilles ton bois 1. Calcaire. J'en fais quoi du calcaire? Du coup, moi j'ai le cuivre et toi t'as le bois, donc c'est parfait, on est complémentaires de toute façon. Mm. J'arrive du coup. Là, ça y est. On progresse enfin. Ouais, on progresse. Je suis paumé là. Attends, il y a du coton là, je prends du coton. Coton. Ah oui, le coton il en faut. Ah oui, non, mais pas masse, mais il en faudra peut-être un peu. Coton. Je le pique à un autre joueur. La forge. Ah, il y a coton là, coton. C'est là. Coton. On veut le coton. Nice. Oh, le mec c'est un mage, c'est trop stylé quoi, il tire des rayons laser. Peut-être devenir mage, hein. Ça continue. Changer de profession. Hein. Bon, j'ai du calcaire, voilà. Je sais pas à quoi ça me servir, mais j'ai du calcaire. Pas mal de devenir mage, hein. On va se poser un peu la question quand même. Mais peut-être pour le prochain live, parce que là, on galère un peu ce soir. Toi, t'es archer, tu me dis? Oh, mais oh, nice. Allez, du coton, mais surtout de. Du minerai d'étain ici, on va commencer à le récupérer. Ah, le calcaire c'est pour la masse de démolition de l'apprenti. Ah, tac. Et le cuivre c'est pour tout le reste, d'accord. Il me pique le coton là. Oh. Oh. Voleur. On vole pas comme ça les papis nudistes. Il y aura une répercussion à cet acte de barbarisme. Boudoum. Tu te rends compte le nombre de joueurs qu'il y a alors que c'est que des gens qui ont précommandé le jeu, ça? Ouais. Fait beaucoup. Oh, j'aime pas la nuit. Précommander le jeu plus cher que son prix de base. Moi, j'avoue que c'est la nuit. Ils ont payé 100 balles. Ceux qui jouent là, c'est ceux qui ont payé 100 balles. Ouais, putain. Bah, peut-être que c'est un jeu qui leur plaît beaucoup. Mais le bois, mais je suis un putain de charpentier en fait. Ouais, il va se calmer le charpentier. Hein. J'arrive à la ville là. Ah, ok, bah, j'arrive alors. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de revenir vers la ville. Hein, mais... J'y vais doucement. En fait, dès que je me fais attaquer par une créature de niveau 3, je la tue parce que c'est quand même la classe de pouvoir récolter du niveau 3. Ok, bah je t'attends à la ville.
Ah, comment on va faire pour échanger? Tu sais comment on va... Mais je sais même pas si c'est possible. Je pense que si. Non mais c'est pas possible, c'est abusé. Mais oui, bien sûr que si, c'est possible. Je rage sec. Ton cuivre. Moi ton putain de cuivre. Faudrait que j'aille le manufacturer aussi avant. Je vais pas te donner des points de manufacture gratuits quand même. Allez. Ah, je tombe de sens, c'est ici. Direction la ville. Non, moi j'ai pas payé, on m'a donné le jeu. Tiens, d'ailleurs, je vous donne un nouveau code, c'est parti. T'es où? Akawir là qui voulait absolument le code, c'est parti, jette-toi dessus. T'es en haut à droite ou en bas à gauche? Là, je suis écran noir, donc je suis nulle part. Je suis rentré dans la zone de la ville, mais je suis en écran noir. D'accord. Ça arrive qu'à toi, mec. Hein. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je fais nimp. Ça marche très très bien. Mais en même temps, est-ce que tu changes beaucoup de zone? Est-ce que t'as compris le jeu au moins? Parce que bon. J'ai l'impression qu'il faut tout expliquer au hasard. Hein. On dirait toi avec moi sur Overwatch, quoi. Putain, mais. Oh, lui, t'es run de non-qualité. J'étais déconnecté! Accès au monde. Ça y est, je suis là. Je suis en ville. Bon, faut que j'aille voir quelque chose. Comment on fait un bâton de mage? Bâton de mage. C'était au tout début, ouais. Faut du bois et du cuivre. Tome de sort de l'apprenti, je sais pas ce que ça change. J'ai envie de tester d'être mage. D'habitude, je suis mage dans ce jeu-là, donc on va changer. Donc, on va aller transformer le. Moi, je joue en zoo. Waza, une clé. Alors moi j'ai pas des clés, j'en ai deux. J'en ai filé une en vrac. J'en filerai une autre plus tard. À chaque fois je me tourne, c'est pas là pour transformer. Par contre c'est là pour. Putain mais descends quoi. Putain mais. C'est une vieille marmotte. À parler au PNJ sur ma monture quoi. Horrible. Allez parle-moi ce purée de PNJ. Merci. Oh mec j'ai pas de bois quoi. C'est la crise. Bon bah on va aller changer juste le cul. Attends j'arrive. T'as besoin de moi? Bon, ouais, ouais, bah si t'as envie, vas-y, on fait des échanges. J'arrive. Je suis là dans pas longtemps. Du coup, j'ai 250 planches de bois. Ah, c'est plutôt pas mal. Et moi, tu sais combien j'ai de cuivre? Dis-moi. 76. 76. Mais attends, je t'invite. La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi du cuir. Ouais, j'en ai aussi plein. Ouais. Attends, t'es où là, du coup? Je te vois, j'arrive. On va transformer le cuir aussi. Et là j'en ai 105, c'est ça la bonne nouvelle. Mec c'est trop lourd par contre. Je vais trop lentement là. Oh, destinée accomplie. Attends mais non mais j'ai mes trucs ils sont à la banque. Ah vas-y. Viens vers la banque là, raffine ouais, tout ce que t'as raffiné et c'est viens bon, à la banque. Faut juste que je trouve comment séparer un stack de ressources moi. Attends, je me laisse mes vieux outils à la banque aussi. Ok, mes ressources niveau 1, on va les garder quand même sur nous, on sait jamais. Moi, je les ai toutes flanquées dehors. Ouais, et là, on a du niveau 3 ici. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Comment tu sépares un stack alors? Tu sais faire? Non, j'ai pas ce qu'il me faut en fait. Attends. Je récupère tout sur moi. Ah, divisé. Tu me donnes la moitié de ton bois, je te donne la moitié de mon cuir. Allez, cuivre. On fait ça. Cuivre, je voulais dire. J'ai l'impression que je me fais niquer au change, mais Absolument pas, t'inquiète pas. Fixe de souris milieu pour séparer. Ok. Du coup, tu m'as dit. La moitié de ton bois. Compte la moitié de mon c'est cuivre. C'est 130 du coup. Putain, t'en as autant quoi. Bah, donne-en 80. Ça. Ou... Pas attends, mais du coup, la moitié. Toi, ton cuir, t'es à combien? 80 j'en ai en tout. Ah, 80 j'en ai 46. Le bah, tu m'enfiles 20. Tu ouais, cuir. Ouais. File 20 de cuir aussi, du coup. Vas-y, je t'en donne 20, sûr. Ouais, tiens, je te file ça. Ouais, c'est bon. Je te file un autre truc, attends. Attends, voilà. Je te file ça aussi. Ah, ouais, je sais pas ce que c'est. Le mec, il me donne des petits cailloux. Parfait. Il me refile ses cailloux.
Non, je suis encore plus lourd. Mec, je suis encore plus lourd qu'avant là, à cause de toi. Oh, fais chier quoi. Oh, hein? Tu vas rater de rager là? On a des ressources à la banque. Ok. Y'a un mec qui tourne sur lui-même là. Voilà, 91 du coup en poids, donc c'est parfait. On va aller se faire un bâton du coup de mage, c'est parti. Alors c'est ici. C'est, ce qui est étonnant, c'est que c'est là où il y a le plus de monde, les mages. J'ai l'impression. Ah non, non, c'est bon, ça s'est calmé. Alors le bâton de mage, bâton de feu de l'apprenti, fabriqué. Il est de qualité normale. Nul. Allez, on va l'équiper du coup pour voir. Nul à chier, genre. On peut choisir du coup un carreau de feu qui affiche 164 de dégâts magiques à un ennemi. Ok. Ou une bombe qui affiche 105 de dégâts magiques aux ennemis dans un rayon de 4 mètres autour. Regardez, voisin, jouer un dé. Très bien. Ensuite, j'ai enflamme instantanément un ennemi en affichant 147 points de dégâts magiques. Il faut que je nique du châtaignier. Et j'avais vu un. 403 de dégâts magiques et brûle pendant 4 secondes. Durée d'incantation 2 secondes, what the fuck. Mais casse-toi, t'es qui? Déflagration, c'est genre trop puissant, hein. Putain, mais il farme avec moi. Mais casse-toi. Tom descend de la planche. Châtaignier. Nécessaire, vendu. Morceau de tissu. Je pense qu'il me faut un tome des sorts plutôt qu'un bouclier aussi. Ah oui, bah j'imagine. Sauf qu'il me faut des morceaux de tissu. On va aller voir pour transformer le tissu, mais je crois que j'ai pas de tissu niveau 2 moi. Ok. J'ai que du tissu niveau 3. Ouais, j'ai que du tissu niveau 3. Et d'ailleurs, pour faire du tissu niveau 3, faut du tissu niveau 2. Attends, dis-moi si je bats connerie, mais dans une zone tier 4, il y a plus de boulot. Enfin, d'arbres tier 3 du coup. Je pense que ouais. Bah, on bouge après là. Dans une zone. On bouge bientôt du coup. Une fois qu'on a fini tout le T2, là, on se casse pour faire du T3. Attends, parce qu'après, il y avait les. Attends. Ouais, dis-moi. Il y avait un portail avec une mission à faire aussi en ville. Attends, je fais la masse de pierre de l'apprenti aussi que j'avais oublié de faire moi. Voilà. En train de m'enterrer. On va stocker les ressources niveau 1 qui me prendront moins de place dans l'avant. Moins de poids dans l'inventaire. Du grès. Du tier 3. Voilà, je suis plus léger. Alors ça c'est quoi le portail magique là? Expédition individuelle, du coup je peux la faire maintenant. Non, saccageur apprenti, toujours pas? C'est quoi? Je sais pas, mec. J'ai tué que 500 créatures sur 1000, purée. Sérieusement. C'est bien compliqué leur histoire. Bon. Les amis, en tout cas, il est temps de faire une petite pause le temps que Waza fasse sa récolte de ressources. On se retrouve dans 5 minutes, je vais aller me prendre un petit truc à boire parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début. Et on va se mettre au point un petit plan d'attaque pour la suite maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour s'attaquer à du tier 3 avec notre cher ami. A tout de suite, à dans 5 minutes.